Ulysse de Taourirt, nous accueillons à nouveau et avec une grande fidélité depuis quelques années Abdelwahab Sefsaf, qui avait été d'ailleurs avec sa compagnie en résidence et en compagnonnage avec le Théâtre de la Croix-Rousse. Et il aime s'embarquer dans une sorte de théâtre-récit, un récit chanté, parce que Abdelwahab Sefsaf est avant tout un comédien chanteur avec une voix unique, avec une sorte de scat dans sa voix, sur une musique accompagnée de Georges Beau, son fidèle compagnon musicien, sur une musique qui traverse les musiques orientales et la musique d'aujourd'hui, plus urbaine. Voilà, à travers ce récit, Abdel revient sur son enfance. Le premier volet était « Si loin, si proche », nous l'avions présenté il y a deux saisons. Ce deuxième volet, nous sommes dans les années 80, Abdel est à Saint-Étienne avec sa famille, il se rebelle contre son père, mais en réalité, il raconte aussi l'Orient et l'origine de l'exil de son père et de sa famille de l'Algérie en France. Voilà, c'est tout ça qui est raconté dans ce spectacle, Ulysse de Taourirt, en musique et dans ce récit avec cette voix forte et chaleureuse de Abdelwahab Sefsaf.